l'épicerie marche-t-elle? Comment elle fonctionne? On a des horaires d'ouverture, des jours d'ouverture, il y a les clients qui viennent, ils consomment et sinon je dirais qu'elle marche plutôt bien. On marche pas mal aussi grâce au tourisme. On a les clients réguliers pendant l'hiver et puis après les touristes, ça permet de renflouer le chiffre pendant l'été. Donc ça fait des belles terrasses remplies et on a des beaux paniers bien garnis. Et du coup, il n'est pas sucré, c'est du pur cacao, donc il y a du sucre à côté. Quel est le boulanger qui vous livre? Nous, on est livré par le boulanger de La Paillette, tous les jours, sauf le lundi. Et le samedi, on a le pain du Fournil des Comètes à Poët-Laval. Mais là, ce n'est pas une livraison de leur part, c'est un bénévole qui va chercher le pain et qui le ramène. D'où vient votre viande? Pour la plupart de Troupéou. Du coup, c'est une entreprise qui prend les viandes des producteurs locaux et qui la découpe et qui la met en sachet après l'abattoir. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on est livré. Et sinon, on a un peu de viande des plateformes, alors soit en bio, soit pas en bio, pour tout ce qui est jambon, lardon. Mais du coup, on a bien de la viande locale. Quel est le produit qui a le plus de succès? Les produits qui ont le plus de succès, pour moi, c'est les produits classiques. Donc il y a les œufs et le pain. Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce métier? Pour moi, c'est une épicerie qui a du sens, parce qu'elle redonne de la vie au village et parce qu'il y a une sélection des produits avec pas mal de produits locaux, pas mal de produits bio. Et il y a l'envie de faire quelque chose ensemble.